The world that we are living in is passing away, my brothers. The world that we are living in is passing away. The world that we are living in is passing away, my sisters. The world that we are living in is passing away. Yeah, change your life. Live in a way that will please our God. Yeah, yeah, yeah. Change your life. Live in a way that will glorify His name. Salut, 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 chers téléspectateurs. J'ai le grand plaisir de vous présenter cet après-midi, ou aujourd'hui, hein, sans toutefois d'extension d'heure ou de temps, un jeune artiste qui vient de faire son apparition dans le cadre de la musique camerounaise, mais dans un rythme très religieux. Il parle de Dieu, il parle de la bonne nouvelle de Dieu. Alors, c'est à la personne de quelqu'un, n'est-ce pas, que j'aimerais qu'il se présente personnellement. Ok, so, I want to present yourself to people, to public qui te suit de par le monde entier. Yes, as they have rightly said, I am a new artist with two albums. Before presenting myself, I am Brother God with us, my artist name, and my personal name, you can know God with us come from Emmanuel. So my personal name is Tamanjong Emmanuel. Tamanjong Emmanuel. Yes. Ça c'est ton nom, ça c'est ton nom personnel, c'est ton nom d'artiste. C'est mon nom personnel. Bon, yeah. Mon nom d'artiste est Brother God with us. Ok. Yeah. Alors, qu'est-ce qui t'a attiré dans la musique? Pourquoi tu es devenu musicien aujourd'hui? En fait, avant, je n'étais pas tellement engagé à la chrétienté. Avant de venir ici à Douala, oui. Bon, quand je suis arrivé, j'ai passé un an, deux ans. Mm-hmm. Et je partais à l'église comme les autres. Mais un jour à l'église, on a fait l'appel des gens qui veulent joindre groupe de lecture et groupe de chorale. Oui. Bon, j'ai saisi cette opportunité de m'inscrire, oui, dans les deux groupes. Et c'est ça qui m'a... Aujourd'hui, si je parle de la musique, je crois que c'est à partir de là que Dieu m'a appelé de chanter pour la louange pour son nom et pour mes frères et sœurs. Ok, mais sinon... Tamanjong, c'est ça qu'il a dit? Tamanjong, c'est Tamanjong Emmanuel. Yeah. Bon, mais tu n'es pas obligé forcément de parler français. Tu peux t'exprimer en anglais pour que tes confrères anglais, n'est-ce pas, comprennent exactement ce que tu veux dire. Et tu vois, je vais te poser la question en français, mais tu me réponds en anglais. Ok. Alors, il y a combien de temps tu as dit? Combien d'années tu es dans la musique alors? Ok, I think. From since then to now, I think it's about 7 years today. 7 years. I'm talking of 7 years is when I started writing, because something happened before I started writing. I actually am a technician. Mm-hmm. Yes, as a duty, I'm a technician. So I went to work someday, and I was in a very, I think, four-story building right up there. I was working, and eventually, an incident occurred. It was an accident that the place I was standing, it just collapsed. So I was going down like that. So I saw the marvel of God at that action. So I think it was a way of that God wanted me to begin to understand that I was called to be an evangelist through religious songs. So I started from there. It started like I must do something to know, make people understand that God is alive. So it was a sort of inspiration for a beginning to me. Please, what is God with us? Ça veut dire quoi ça? Okay, well, my artist name is actually my artist name. It's called God with us. Et ça explique quoi? Qu'est-ce que ça explique? Ça veut dire quoi? Okay, ce que ça veut expliquer, voilà. Vous savez le nom... Emmanuel, ça a une définition. Qu'est-ce que ça veut dire? En anglais, ça veut dire ça a une définition. In English, it's English. Emmanuel means God is with us. Okay. And in French, Dieu est avec nous. Dieu avec nous. Bon, okay. C'est pour cela que, comme mon nom se portait Emmanuel, j'avais avant d'écrire ce nom, je crois que Dieu m'a,
j'ai demandé, Dieu m'a dit, allez-y avec ce nom. C'est pour cela que j'ai écrit ça. J'ai accepté que mon nom d'artiste soit God With Us. Tamandjong, Emmanuel. Yes. Tu sais que beaucoup de gens te suivent de par le monde entier. Et tu chantes aussi très bien. Tout à l'heure, tu as commencé par chanter avec Anna Capella, avant que nous n'atteignions, n'est-ce pas, à ce niveau-ci. Maintenant, pour que l'émission continue, n'est-ce pas, comme il se doit, j'aimerais que tu fasses une autre chanson de tes deux albums, n'est-ce pas, pour que le public continue à suivre, à écouter ta voix. Ok, I started with reggae. I think I should change the rhythm now and go to Makossa. Yeah, ok. Because I will still take it in the second album. Let me no just problem, go. No yeah, problem. So. Why name for the second album? The name of the second album is I Am a Winner. I Am a Winner. Yes. Okay, please to make to take like this to show the record is this. Huh? It's not that. C'est pas celui-là. C'est okay. This one. Okay. Donc on y va donc on t'écoute. Okay, I am a winner. I will take a track from there. That is the second track of the album. It goes, Hallelujah, yeah, I am a winner. Hallelujah, yeah, I am a winner. Hallelujah, yeah, I am a winner. I found Jesus. He made me a winner. Hey, Hallelujah, yeah, I am a winner. Hallelujah, yeah, I am a winner. Hallelujah, yeah, I am a winner. I found Jesus. He made me a winner. Okay, ça continue. When I no be no God, I was a loser. When I no be no God, I was a loser. When I no be no God, I was a loser. I come to Jesus Christ. He made me a winner. Oui. Tamandjong, tu viens de chanter deux chansons à la fois. La première chanson s'appelait comment? La première chanson s'appelait Changer ta vie. Changer ta vie. En anglais, Change Your Life. Oui. Yes. Et qu'est-ce que tu envoies comme message? Qu'est-ce que le public doit retenir là-dedans? Qu'est-ce que tu dis dans cette chanson? En fait, dans cette chanson, je suis en train de rappeler mes frères et mes soeurs oui. qu'on est dans un monde, qu'on ne parle là-bas éternellement. Mm-hmm. Un jour, on passera. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est, on se contente seulement de chercher de récupérer les choses matérielles pour vivre avec mm-hmm. et finalement on ne sait pas là où on part. Ouais. Bon, c'est juste pour me rappeler que ce n'est pas les choses matérielles qui est importante, mais c'est ta vie avec Dieu qui est important. Et en anglais, qu'est-ce que ça veut dire? Okay, in English, it's just to, I'm trying to call my brothers and sisters to understand that we are living in the world, that we are not eternal. So, actually, they should understand that the world we are living in, one day we will leave it and go somewhere. And what are we doing? Is it just that we are contenting ourselves to gather material things and keep it to ourselves and forget that there is somebody that is waiting us somewhere. After we leave this world, we will meet him. So that is the message I'm trying to pass out. And the second one is, qu'est-ce que ça veut dire? Okay, the second one, which is I am a winner. Yeah. He's trying to make me to make people that I want. I'm calling. Winner, my ça veut dire que tu as gagné. Oui, ça yeah, qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné? Okay, what I have won is God. Yeah. You know, when you get encounter with God, you are actually a winner. Because there are, you see the past life, the life you were living before, is a life of somebody that is like lost. Okay. But when you come actually to Christ, you find yourself that those things were not useful. They were useless things. So it is time to live in a useful way. Okay. Yes. Okay. Monsieur, bon, ça, le Tamandjong, c'était bien pour vous la croisière des artistes, une émission des artistes. C'est une émission qui permet aux artistes de se défouler et de parler de leurs problèmes. Et comme tu es en train d'expliquer, n'est-ce pas, tes chansons, est-ce que cette émission s'appelle la croisière des artistes confondue? C'est pour tous les artistes. Est-ce que tu penses que, en t'exprimant dans cette émission, tu penses que ça pourra
amener, n'est-ce pas, tes images auprès des gens qui doivent suivre ta carrière que tu fais aujourd'hui? Oui, je saisis cette opportunité parce que ce n'est pas une porte ouverte que tout le monde entre. Voilà. Bon, je rends grâce à Dieu premièrement et je remercie ce avenue parce que sans ça, je ne pourrais pas être là. Et je sais qu'avec ça, il y a beaucoup de gens qui sont prêts de tenir le main des gens que Dieu les a appelés d'avancer ou de donner ce qu'ils ont. Ouais. Parce que chacun a un don. Okay. Et ce don-là, c'est nous, frères et sœurs, qui nous aidons pour que ça grandisse. Okay. Sans ça, on ne peut pas arriver. On ne peut rien faire sans ça. Merci Tamadjan. C'était pour vous la croisée des artistes avec un jeune artiste qui vient de commencer. Comme je vous ai dit précédemment, il fait de la musique religieuse. Et encouragez-le dès que vous verrez nécessairement apparaître dans cette émission. Il parle bien de Dieu. Merci chers téléspectateurs. Merci Tamadjan. À la prochaine. Merci. Au revoir. Thank you. Bye bye. Bye bye. Okay.